Good evening, ladies and gentlemen. Bonsoir. Everybody good? We have another double change evening tonight, and we hope you all will enjoy. We've got lots of people coming up. It's a pleasure to have everybody here tonight, and nous sommes ravis que tout cela continue. En plus, double soirée. Donc je vous attends tous demain soir. We're all expecting you here tomorrow night. No debates tomorrow night. It's going to be easy. Éteignez vos portables, du moins les mettez-les en silencieux, s'il vous plaît. Et l'atelier est ravi de vous avoir. It's a pleasure to have you. Thank you, Michael, again, for having us. We have a bad record here of organizing readings during important political events. We did one on March 12, 2020, when Macron was addressing the nation with Sarah Larson. Anyway, let's hope that everything goes for the best. I'll just be reading a few brief translations from my translation of the Tennis Court Oath, which came out 7 years ago with Edition José Corti. And the first poem is for Rona, and it's called Pensée d'une jeune fille. Now let's have a quiz. Who can tell me, who amongst the English-speaking friends can tell me what the original title is? Thoughts of a Young Girl. Okay, you won't get no prize. Okay, Pensée d'une jeune fille. C'est une si belle journée qu'il fallait que je t'écrive une lettre depuis la tour et te prouve que je ne suis pas fâchée. J'ai seulement glissé sur le pain de savon de l'air et me suis noyée dans la baignoire du monde. Tu étais trop bonne pour bien me pleurer, et maintenant je te laisse aller. Signé, le nain. Je suis passée tard dans l'après-midi et le sourire dansait toujours sur ses lèvres comme depuis des siècles. Elle sait toujours se faire parfaitement charmante. Oh ma fille, mon cœur, fille de mon défunt employeur, princesse, puisses-tu ne pas tarder en chemin. And I'll just end with a very short poem by John Ashbery, but I'll read it both in French and in English. It's called Europe. No, I'm just going to read a section. It's a very long poem. Anyway, I'll just read the first seven sections of Europe in French only. Europe. Pour se servir d'elle, boule de construction, le matin s'est nourri du bois bleu pâle de la bouche. Impossible de comprendre, ressent vivement. 2. Une vague de nausée, numéro. 3. Quelques baies. 4. La griffe invisible, babe a demandé aujourd'hui, l'arrière-plan des pôles encordés dans l'étoile les secoua. 5. Infecte. Ou, dans une arrière lourdeur lancée, trempée, citron dormant, schémas en pleurs. 6. Le moi de l'éléphant, broderie là où le pâle page voit. 7. Que pourraient avoir les enfants chantant, les chevaux, les sept souffles sous l'arbre, brouillard étreint, absolu, inconscient, menace pour notre mode de vie. Déterre plus de tissu. Ceci aurait pu être fait, ceci ne pouvait être fait. Thank you. I'm going to hand over to Abigail Lang now. Again, someone who I think everyone knows. And again, Abigail's going to be reading to us from her translations. So thank you. Thank you, Rona. Thank you, Michael. And I'll be reading from Annie de Nigaud, the translation of A Nest of Ninnies by John Ashbery and James Schuyler that we did with Patrice Ladrange, donc une traduction faite avec Patrice Ladrange, à la demande de Patrice Ladrange, qui était un de mes étudiants, colonel à la retraite. So I translated this book with a student of mine, a retired colonel, and it sounded just the right team for this, such a cock and bull story. So this is from the final chapter. We're at the Trentino waiting for the Carlsbad, and people are
Speaking at Cross Purpose, donc c'est le dernier chapitre. Au Trentino, le restaurant monté par Alice, et nous attendons les Carlsbad. Chapitre 14. Sa mission accomplie, l'architecte du Sir Toby Belch s'était attardé dans la région de Kelton. Nous hésitons à divulguer son nom de peur qu'il paraisse une fabrication. C'était Menot, Godfrey Menot, un nom prédestiné. Maintenant que le grand incendie avait ravagé certains édifices parmi les plus imposants de la ville, il était d'autant plus réticent à quitter un lieu qui lui rappelait fortement quelques-unes des cités-jardins les plus réussies à l'époque où il sortait du Royal College of Art. Par un soir humide et glacial de février, il poussa prudemment la grande porte rustique du Trentino, comme on l'appelait désormais, et se fraya un chemin à travers la foule tapageuse jusqu'au bar. « Je suis avec les Carlsbad !» dit-il à la Finta Giardiniera qui s'approchait de lui, le sourcil interrogateur. « Voudriez-vous bien baisser le son ?» lança Alice à un auditeur invisible dans les profondeurs de la salle aux poutres apparentes. « Je suis avec les Carlsbad !» insista-t-il. « Ils m'attendent !» Bien sûr. La gérante rajusta les menus sur papier parchemin qu'elle tenait contre elle, de sorte que Godfrey ne voyait plus que Valpolicella, 7 $. « Votre table est prête » annonça-t-elle, mais pas à son attention. « Quant à vous, je vous propose de patienter au bar. » Avec un haussement d'épaule qui semblait indiquer qu'il était conscient de ne pas mériter mieux, notre Inigo Jones se tourna vers le bar. Et quel bar ! Les verres les plus boursouflés jamais désavoués par Murano étaient là et formaient un arc-en-ciel turgide. « Pour vous, l'ami !» lui lança un barman qui affichait une ressemblance troublante avec Giorgio Grossblatt. Avant que Godfrey ait pu répondre, cependant, il fut alpagué par un couple qui rappelait, mais à l'envers, le vieux Janvier et la jeune Juin de Chaucer. « Godfrey !» hurla Memo Oscari. Il se tourna pour plaquer un baiser inattendu sur la joue de Mildred Kelso. Godfrey arrêta le regard d'une barmaid arrangée, lui sembla-t-il, comme l'une des Giubbe Rosse de Garibaldi. « Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?» s'enquit-elle d'une voix au perché. « Un Gibson avec des glaçons, opina-t-il, puis il ajouta avec un air inspiré, dans un tumbler bleu. » Mrs. Kelso lui adressa un sourire radieux. « Memo me parlait justement des choses magnifiques que vous avez faites au musée de la broderie de Kensington. Nous aussi, nous attendons les Carlsbad. Est-il vrai que vous avez connu Sir Sidney Cockerell ?» demanda Memo. On servit à l'architecte sa boisson. « Bleu, constata-t-il, les yeux fixés sur l'objet en forme de météorite. » « Oui, je les ai tous connus. Même Corbu, le taquina Mildred ?»« J'ai dit tous, » prononça Godfrey entre ses dents, tandis qu'arrivait Fabia, vêtue d'une robe de cocktail à bustier avec une étole assortie. « Je n'imaginais pas que les Italiens prenaient la Saint-Valentin aussi au sérieux, » dit-elle, en s'adressant à Mildred. « D'ailleurs, n'était-il pas français ?»« Pas du tout, Fabia, » dit Godfrey. « Cet homme était un mythe. » Il regarda par-dessus son épaule pour lorgner dans son décolleté, au risque d'emmêler ses sourcils dans sa veste, manifestement coupée dans la même étoffe crépue. Memo le remarqua, mais toujours grand seigneur, il conclut. Quoi qu'il en soit, c'était un saint, et eût il été lituanien, que ça me serait égal. Fabia chassa de son étole quelques gouttelettes imaginaires. Où sont donc ces abrutis de Carlsbad, se plaignit-elle. Je commence à croire que Victor a eu raison, et ça me rend encore plus folle. C'est du tonnerre, dit Giorgio. Il se pencha en travers du bar et lui donna un baiser chaleureux. Sacrée robe. Une frêle jeune femme brune en velours cramoisi se frayait un chemin vers eux. « Je suis terriblement confuse, dit-elle. Everett a été retenue, un patient de dernière minute. Pour vous, signora dottoressa, rugit Giorgio, un verre offert par la maison. » Il saisit la bouteille la plus proche, en l'occurrence du cognac italien, et en versa une rasade dans un verre. « Après ce que votre mari a fait pour moi ?»« Ce n'était rien, répondit Leila Carlsbad. » Et sa remarque fut heureusement perdue dans le vacarme. Le front déjà creusé de Giorgio se plissa davantage. « D'ailleurs, Memo, comment se fait-il que tu sois de ce côté de l'Atlantique ? Je croyais que Fabia et toi étiez séparés. » « C'est moi qui vais répondre à cette question, » claironna Mildred sans qu'on s'y attende. Memo a dû laisser Fabia à Palerme pour aider son père à diagnostiquer une forme de sciatique jusque-là inconnue. Bien sûr, il s'est dépêché de rentrer, mais honteux de lui avouer de quoi il s'agissait, il lui a dit qu'il avait dû passer un dernier examen. C'était vrai dans un sens, mais Fabia savait que ce n'était pas la période des examens dans les facultés de médecine italienne, et elle en a été passablement agacée. À la suite de cela, elle est rentrée et a retrouvé son environnement claustrophobe. Mais si, Fabia, c'est le cas, quoi que vous puissiez en dire. Et depuis, elle broie du noir. C'est alors que Memo m'a écrit et je lui ai répondu « Venez, mon garçon, jamais cœur poltron n'a conquis belle dame. » Et il est venu à bord du Leonardo da Vinci. La,
coïncidence sur son mode le plus dickensien frappa une fois encore, bien sûr. Comme si souvent auparavant dans la vie de ces happy few, les lumières s'éteignirent. Au fond de la salle, on apercevait un gâteau d'anniversaire illuminé de bougies, porté par une jeune fille anxieuse en toque de chef. « Mia Sorelina !» lança fièrement Giorgio. Quelqu'un entonna « Happy birthday !» Tous reprirent en chœur, et puis ce fut fini. Les lumières se rallumèrent. On to our third poet. We met through Lindsay earlier today, Stéphane Bouquet, his travelling poems. He's the author of several collections of poems, most recently a book of essays on poems, La Cité de, de Parole. We, as Lindsay told us, he's published books about filmmakers, screenplays for feature films, non-fiction films, short films, and he too is a translator of poets including Paul Blackburn, Schuyler, and Peter Gizzi. He's interested, as we learned, in performance arts, has given workshops for choreographers, for actors and stage directors, and I think was actually doing some of that today. He's the recipient of a 2003 Prix de Rome, a 2007 Mission Stendhal Award, and he's been featured in France and internationally at festivals and residencies and events, including the 2017 Frankfurt Book Fair and the 2018 Toronto Festival of Authors. Stéphane, wherever you are, there you are, over to you. Bonsoir. Donc je vais lire cinq poèmes de Schuyler qui ont été publiés dans cette collection grâce à Olivier. I'm going to read five poems in French by Schuyler, published through in this collection thanks to Olivier. So thank you, Olivier. Enterré à Springs. Il y a un frelon dans la pièce et l'un de nous devra sortir par la fenêtre dans le soleil d'après-midi de la fin août. J'ai gagné. C'est une sorte d'épreuve de se montrer humain envers les frelons. Enfin, pas tant que ça. Une vedette laisse deux lignes de sillage derrière elle dans la baie comme un delta dont la base aurait fondu. Nuages de sable ou on dirait fleurs d'épis, d'herbes plumetées et mûres. Un genre de verge d'or d'un jaune acide rougeoyant ou rugissant dans le noir. Rochers avec loques d'ombre, chiffons délavés qui ne blanchiront jamais. Ce n'est pas comme ça du tout. Le cours rapide de l'eau qui clapote, le son creux de quelqu'un embarquant des rames. Ça fait 11 ans que Franck s'est assis à ce bureau et a vu et entendu toute l'eau incessante, les criquets immuables, sauf que c'en était d'autres. Nouvelles aiguilles sur les épicéas, nouvelles algues sur les rochers à marée basse, autres herbes et eaux différentes, même le beau lichen doré sur le gros rocher de granit, même le gros rocher n'est littéralement pas du tout le même. S'apitoyer sur soi est une sorte de mensonge aussi. Il neige, jour, de vision défectueuse et Noël arrive comme une charrue et dans la viande, la neige étrange. Tout ça me rappelle une vieille dame que j'ai vue une fois frissonner nue à côté d'un ruisseau noir et pollué. On était si mal à l'aise, mais le train ne s'est pas arrêté alors. Et le blanc, qui est une autre couleur, ou son absence, tourne sur lui-même comme les Who Live à Leeds que je mets pour noyer les saintes nuits bêlantes du clocher de l'église presbytérienne, ce qui revient au même que de combattre le feu avec de l'huile. Gens nus, vieux, glacés. Un jour, nous aurons juste la neige à nous mettre aussi. Si bonne. Chante-moi, météo, la chanson du bec d'un oiseau bectant l'herbe délavée de l'hiver. Mars est là, comme une grand-mère qu'un enfant n'aime pas embrasser. Une odeur de ferme, la douceur froide. Il s'y fera. Mars passera. D'autres oiseaux chanteront sous d'autres couleurs du ciel. Le temps tord mon dos courbé.
un froid commun. Et sans raison, mes yeux et le ciel s'emplissent de larmes, deux sortes de couleurs au ciel. Et si tu ne pleures jamais, eh bien, alors ne pleure pas. Neige qui tourne à pluie, à douleur physique et affective, cela aussi passe. Elles n'ont pas toujours été ici. Elles partiront, comme grand-mère s'en fut dans des remblais de fleurs il y a si longtemps, une joue si froide pour demander à un enfant de l'embrasser. Ces oiseaux, aurait-elle dit, sont des étourneaux, ils sont venus d'Angleterre. Ou c'est un papillon monarque, ou c'est du papier tumouche, les mouches propagent des microbes. Ou non, c'était il y a vraiment trop longtemps. Et les larmes sont pour le jour maussades, soudain si semblables à la vie intérieure qui tremble, brûle et fume. Allume les lumières, le jour est gris, et où les étourneaux dorment-ils la nuit? Bonne nuit, mamie, si vraiment bonne. Les chrysanthèmes nains, à côté de moi, dans ce jardin, sont énormes et très marguerites, pourquoi pas? La marguerite commune n'est-elle pas un chrysanthème? Arbuste à tige épaisse, les feuilles pointées vers le haut des branches où les fleurs éclatent en éclats de soleil. J'aime ce jardin sous toutes ses humeurs, même avec son manteau hivernal d'herbe à foin, où maintenant, en octobre, déjà plus qu'à moitié passé. Ici, un rosier, là, un massif d'aconite. Ce matin, un des chiens a tué une chouette. Bob a assisté à la chose, essaya d'intervenir. Lardell lui a brisé le cou et l'a laissée morte. Maintenant, l'oiseau est enterré près d'un pommier. Hier soir, de la table, on voyait la chouette, immense dans le crépuscule, tournant autour du champ sur le silence de ses ailes de chouette. La première qu'on ait vue ici. Maintenant, c'est fini. Juste un rêve dont se souvenir. Les chiens aboient. Dans le studio de la musique, et Bob et Dara peignent. Je suis assis et griffonne dans un petit carnet à la table du jardin, chemise trop chaude pour le soleil de mi-octobre vers lequel les chrysanthèmes nains sont tous tournés. J'ai un mauvais livre avec moi, un trognon de pommes, des cigarettes, un cendrier. Derrière moi, la rue que j'ai offerte à Bob fleurit. Lumière sur les feuilles, tellement à voir. Et tout ce que je vois vraiment est cette chouette, son volume troublant le crépuscule. Je vais bientôt oublier. Qu'y a-t-il que je n'ai pas oublié ou un jour oublierai? Ce jardin, cette brise dans le calme, même les mots, les chrysanthèmes nains. Last one. Couvert chaud pour Alice Notley. C'est un jour chaud, pas aussi chaud que les jours d'avant. C'est ce juillet-là, celui de 1981, l'été chaud. Alice dit « Je reste au lit toute la nuit, le visage en sueur. Je reste au lit toute la nuit, le cul en sueur. » La chère Helena envoie une carte d'Angleterre où il fait gris et frais. Heureuse Angleterre. Et le prince Charles s'apprête à épouser Lady Di. « Vas-tu te lever à 4h30 pour regarder le mariage à la télé ?» demande Eleanor. « Ça risque pas. Bien que si je suis encore réveillé, ce qui risque d'arriver, je suppose que je le regarderai. » Je me souviens combien Juliana Slosson était belle en descendant l'allée, tout en dentelle blanche. Mais c'était il y a beaucoup d'années. Et bon sang que ce juillet est chaud et lourd.